Bonjour les amis de santé et divertissement, que Dieu vous bénisse. Trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Voici comment éliminer les kystes ovariens. Un kyste ovarien est comparable à un petit sac rempli de liquide qui se situe sur ou dans l'ovaire. Un grand nombre de femmes développent au moins un kyste durant leur existence. Selon le Centre de contrôle et prévention des maladies, les kystes ovariens apparaissent essentiellement en période de préménopause. Il existe en effet deux types de kystes ovariens, 75% sont des kystes organiques et 25% sont des kystes fonctionnels. Les kystes fonctionnels se développent chez les femmes entre la puberté et la ménopause, ils régressent en fin de cycle et sont toujours bénins. Quant aux kystes organiques, ils concernent les femmes plus âgées ayant dépassé le stade de la ménopause. Ils ne régressent pas mais sont généralement bénins également. Même si le plus souvent ils sont indolores, certains symptômes peuvent néanmoins apparaître, des saignements en dehors de la période des règles, des douleurs pelviennes et des douleurs abdominales basses entre autres. En cas de symptômes plus graves, il est conseillé de consulter un médecin immédiatement afin de prendre en main une éventuelle complication. Comment soulager les douleurs dues au kyste? L'huile de ricin. Si le kyste provoque de fortes douleurs abdominales, massez délicatement le ventre avec de l'huile de ricin, couvrir d'un linge propre ou d'une serviette et placer une bouillotte chaude dessus. L'huile de ricin permet d'éliminer les toxines, stimuler le système lymphatique et accélérer la dissolution des kystes. Cette astuce est déconseillée durant les règles ainsi qu'aux femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Le vinaigre de cidre. Connu pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antiseptiques, le vinaigre de cidre agit comme un agent nettoyant du kyste. Une boisson à base de vinaigre de cidre peut être efficace, il suffit de diluer une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède et de boire deux verres par jour jusqu'à disparition du kyste. La camomille. Les tisanes à la camomille sont fortement conseillées en cas de kyste ovarien et de douleur. Grâce à son effet sédatif doux et naturel, la camomille soulage la douleur et stimule le flux sanguin dans la zone pelvienne. Faire infuser 2 cuillères à café de camomille séchée dans une tasse d'eau chaude durant 5 minutes. Ajouter une cuillère à café de miel organique et siroter la tisane. Il est conseillé de boire 3 tasses par jour de cette infusion. La betterave. Grâce aux bêta-cyanines qu'elle contient, la betterave est l'allié idéal du foie car elle permet de purifier, nettoyer et éliminer les toxines de l'organisme. De plus, le fait qu'elle soit alcaline tend à équilibrer l'activité interne du corps et à réduire l'effet des symptômes du kyste ovarien. Faire un jus de betterave en mixant une betterave et un peu d'eau filtrée et mélanger le jus obtenu à une cuillère à soupe de gel d'aloe vera et une cuillère à soupe de mélasse. Consommez cette boisson le matin à jeun jusqu'à diminution voire disparition des douleurs. Le sel d'Epsom. Riche en magnésium, le sel d'Epsom détend les muscles et soulage la douleur, notamment celle liée au kyste ovarien. Pour ce faire, remplir une baignoire d'eau chaude, y ajouter une tasse de sel et mélanger bien jusqu'à dissolution complète du sel. Plongez dans le bain durant une vingtaine de minutes. Merci de nous avoir visités, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.